Hey, salut les boys, petite vidéo comment fixer sur Sony Vegas. Première option qu'on peut faire, c'est on clique à droite sur Sony Vegas, on va aller à propriété, puis on va aller à compatibilité. Où est-ce que c'est marqué compatibilité mode, on va aller sur Windows Vista, on va cliquer sur Run this program in compatibilité mode, puis on va aller sur Apply OK. Deuxième affaire qu'on peut faire, c'est on va aller dans Options, puis dans Préférences, mais on va tenir Ctrl Shift quand on va cliquer sur Préférences. En faisant ça, on va aller sur Internal, puis on va aller taper en bas Enable Multi. Puis qu'est-ce que ça va faire, c'est que ça va nous montrer deux choses. Puis l'affaire qu'on va aller changer, c'est la première affaire en haut. On va aller effacer ça. Ça c'est déjà, ça j'ai déjà changé. D'habitude c'est marqué défaut, c'est trou. Tu vois, j'ai changé ça à false. Tu marques false, tu effaces ça. Tu marques false, puis tu vas aller à Apply et OK en bas. Moi, je l'ai déjà fait que j'ai pas besoin de le faire. Ensuite, une troisième affaire que tu peux faire pour arranger ton Sony Vegas qui crache tout le temps, c'est aller dans Préférences encore, aller dans Vidéo, puis tu vas aller dans GPU Accélération of Video Processing. Puis tu vas mettre ça à off. Défaut, c'est Nvidia. Puis ben ça devrait fixer ton problème. Tu mets ça off, apply, OK, ferme, reboot ton programme, puis ça devrait être fixé. Bonne chance les boys! If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my dun, 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 dun. I still got a lot of shit to learn.